Et j'irai vers l'autel du Seigneur, Alléluia, près du Dieu de ma joie, Alléluia. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, Alléluia, près du Dieu de ma joie, Alléluia. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Oui, j'irai vers le Père du Seigneur. Laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'irai vers le Père du Seigneur. Alléluia. Rêve du Dieu de la joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Oui. La lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort, Alléluia. La lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Chantons une louange.
Exode 27. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, alléluia. Seigneur, j'appelle, mon rocher ne sois pas sourd, que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie à toi. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils reçoivent, et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leur main dans les mains, méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains, qu'ils les abattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils les paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur m'envoie la force. J'ai reçu aide, ma chair a refleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Psaume 47. Ô Seigneur, aie louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré superbe des longs, joie de l'univers. Le long sillon cœur de la Clémence, cité du grand roi. Voici les rois s'étaient ligués, avançant à la fois. Ils virent et du coup stupéfiés, pris de panique, ils décampèrent. Là, le tremblement les saisit, un frisson la bouchée. Ce fut le mont esprit brise, les vaisseaux de Tarsis. Comme on nous l'avait dit, nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu. Dans la ville du Seigneur Sabaoth, Dieu l'a fermée à jamais. Nous méritons, Dieu, ton amour, au milieu de ton temple. Terre
de justice, le mont Sion jubile. Les filles de Juda exultent devant tes jugements. L'ange Sion accueillera et en laissez raconter aux âges futurs que lui est Dieu, notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Psaume 96. Le règne exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'assise de son trône. Montagnes fondent comme cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur, très haut sur toute la terre. Sur la somme beaucoup tous les anges, qui aiment, qui détestent le mal. Il y a des âmes des cieux et de la main des impies et des libres. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, loué sa mémoire de sainteté. Cantique d'Isaïe, page 287. Ne crains pas, ô mon peuple, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, tu ne seras pas submergé. Si tu traverses, tu ne diminueras pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur.
je donne l'Égypte, car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et moi je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. Vous êtes mes témoins, mes serviteurs que j'ai élus, pour qu'on me connaisse et me croie sur parole. Moi, le Seigneur, je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi, c'est moi qui ai venu les sauver et proclamer. Vous êtes mes témoins, moi je suis Dieu depuis l'éternité, je le suis. De la lettre à Diognète au IIe siècle. C'est en Jésus que Dieu nous a révélé son plan de salut. Avec bonté et douceur, comme un roi qui enverrait le roi son fils, Dieu a envoyé Dieu le Verbe parmi les hommes. Il l'a envoyé pour les sauver par la persuasion et non par la violence, car il n'y a pas de violence en Dieu. Il l'a envoyé pour appeler et non pour accuser. Il l'a envoyé pour aimer et non pour juger. Nul d'entre les hommes ne l'a vu ni connu. C'est lui-même qui s'est manifesté. Et il s'est manifesté par la foi à qui seul est accordée la vision de Dieu. Le Maître et le Créateur de l'univers, Dieu, qui a fait toutes choses et l'a disposée avec ordre, s'est montré non seulement plein d'amour pour les hommes, mais patient. Lui, il a toujours été, il est et il restera le même, secourable, bon, doux, véridique. Et lui seul est bon. Pourtant, lorsqu'il eut conçu son grand et ineffable dessein, il n'en fit part qu'à son Fils unique. Tant qu'il maintenait dans le mystère et réservait le plan de sagesse, il semblait nous négliger et ne pas se soucier de nous. Quand il eut révélé par son Fils bien-aimé et manifesté ce qu'il avait préparé depuis le commencement, il nous offrit tout en même temps, et la participation à ses bienfaits, et la vision, et l'intelligence. Il s'est chargé lui-même de nos fautes et il a livré son propre Fils en rançon pour nous. Le saint pour les impies, l'innocent pour les méchants, le juste pour les injustes, l'incorruptible pour les corrompus, l'immortel pour les mortels. Il a d'abord convaincu notre nature de son incapacité à obtenir la vie. Maintenant, il nous a montré le Sauveur capable de sauver même ceux qui ne pouvaient l'être. Il a voulu nous donner la foi en sa bonté et nous faire voir en lui le nourricier, le Père, le Maître, le conseiller, le médecin, l'intelligence, la lumière, l'honneur, la gloire, la force et la vie. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est votre foi, ses prophètes. Salut. Nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement, j'irai à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir la crainte. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu. Ténèbres qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends-moi, ô Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs.
Père qui nous a tout donné en ton Fils, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Notre Père, tu as donné à la bienheureuse Marie de l'Incarnation un zèle ardent pour ta gloire et une rare fermeté dans les malheurs. Accorde-nous, par ses mérites, de supporter courageusement les épreuves et de persévérer dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.